J'avais trop hâte de rencontrer Léo. Bienvenue dans la famille. Oui Léo, nous avons tous hâte pour que tu grandisses. Je t'ai attendu pendant plus de 9 mois. Haha, moi aussi. Enfin, un garçon. Mais il m'oublie ou quoi? Je suis là moi aussi. Papa, maman. Hein? Ah, Amanda, regarde ton petit frère. Il est pas juste trop beau? Et aussi, il me ressemble. Oui, il est trop beau. On attendait ça depuis très longtemps. Enfin, nous sommes heureux d'avoir un garçon. Ça, c'est sûr. Peut-être que la naissance de mon petit frère Léo va changer les choses. Dis, je pense que notre fille ne nous ressemble pas. Je suis d'accord avec toi. Je crois qu'elle est bizarre. Elle ne fait que de lire et écrire. Ça lui servira à quoi? Je me demande aussi pourquoi. Mes parents ne comprendront jamais pourquoi. J'aime lire. En fait, j'ai pas d'amis. Ils ne m'ont pas laissé sortir. C'est pour ça que je suis comme ça. Et j'aime bien finalement. J'ai hâte que mon petit frère grandisse. Parce que là, mes parents, on dirait qu'ils m'ont oublié. Ils préfèrent toujours manger devant la télé. Alors que c'est pas une bonne chose. Attends! Quoi? C'est mes parents? Ils partent sans moi? Je crois qu'ils m'ont oublié. Je crois qu'ils m'ont vraiment oublié. Alors, c'est bon. On peut partir? Oui, depuis tout à l'heure, je te le dis. Allons-y au centre commercial. Allons-y. Ah mais attends! Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Amanda! On a oublié Amanda! Non mais quoi, c'est vrai! Monte dans la voiture! Je l'appelle! Ok, vas-y! Vas-y! Amanda! 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 Viens vite! Oui papa! Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Amanda, je sais pas que tes parents sont prêts pour aller au centre commercial! Pourquoi tu viens pas avec nous? Mais papa, c'est vous! Vous m'avez oublié! Bien sûr, c'est ça. Toujours des histoires. Je t'attends dans la voiture. Oh là là. Mais j'ai rien fait. C'est pas de ma faute. Bon, allez. C'est parti. On y va. Amanda, viens manger. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Elle est vraiment très différente. Oui, c'est normal qu'on l'oublie. Ah, je sais pas. Je devrais peut-être parler à mes parents. Il faut que je parte à l'école. Je viens d'avoir 8 ans. Je vais dire ça. Papa? Maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Papa, je peux aller à l'école? Pourquoi? T'as 4 ans encore? Non, papa. Je viens d'avoir 8 ans. Chérie, elle a 8 ans? Quoi? Non, je crois pas. Elle a 4 ans. Papa? Maman? J'ai 8 ans, c'est même écrit sur ma pièce d'identité. Ouh là là, ça grandit vite ça. Oui papa, s'il te plaît, envoie-moi dans une école. Très bien. Demain, tu vas aller dans la meilleure école de cette ville. Quoi? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Trop cool! Merci beaucoup papa. Mais tu manges pas? Non maman, j'ai plus faim. Je suis trop contente. Enfin, je vais aller très très loin. Enfin, pas vraiment très loin. Mais je vais me faire des amis. Ça m'a toujours manqué ça. Et voilà, ça y est. Tu es dans la meilleure école de Brookhaven. Je peux te dire une chose. Tu vas t'ennuyer. Je te le garantis. L'école, c'est pas top. On n'apprend rien. Ah bon? Moi, je trouve que c'est trop cool. Bon, très bien, si tu le dis. Allez, travaille bien. Pauvre petite. Elle ne sait même pas que ça sert à rien d'aller travailler à l'école. Le vrai travail, c'est dans la vraie vie. Papa ne sait pas, mais la meilleure chose à faire, c'est d'aller à l'école. C'est une chance. J'ai hâte de découvrir mes amis. Oh tiens, je crois que c'est la nouvelle. Amanda, c'est ça? Même la prof, elle sait. Waouh. Viens, assieds-toi au premier rang. D'accord. On va attendre le reste de la classe. Mais avant ça, j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que tu connais la table de 6, 8 et 9, Amanda? Oui, bien sûr. Alors écris-moi tout ça sur papier. Ok, c'est juste trop facile. Eh bien, j'ai hâte de découvrir ça. Elle a l'air trop forte. Maîtresse, je crois qu'elle a presque fini. Oui, c'est bon, j'ai fini, regardez ça. Attends, montre-moi ça. J'arrive pas à croire. T'as vraiment fait les trois tables? Je suis choquée.
par ta rapidité. Oui, en fait, c'est les livres. Grâce aux livres, j'ai appris à réfléchir vite et à écrire vite. Waouh, tu m'impressionnes, Amanda. Tu mérites d'aller dans une plus grande classe. Oui, mais mes parents, ils vont jamais accepter. Je vais en parler avec tes parents, ce soir. Ça sonnait. Je crois que c'est la maîtresse. Elle avait dit qu'elle allait passer aujourd'hui. Oh là là, j'ai peur. Est-ce que mes parents vont bien l'accueillir? J'ai trop peur. Attendez, quoi? Vous dites que notre fille est une intello? Je suis désolée, je vous crois pas. C'est une pourrie gâtée. Elle ne nous écoute même pas. Et d'ailleurs, elle est trop bizarre. On préfère la garder dans la même classe. Mais je vous le rassure, elle lit tellement vite, elle travaille trop bien, elle réfléchit très vite, elle... Écoutez, je sais pas ce que... Vous nous voulez, mais désolé, on préfère la garder comme ça. On connaît, c'est notre fille, donc s'il vous plaît. Mais vous ne savez pas à quel point elle est talentueuse. Oui, oui, c'est ça. Bon, je dois m'occuper de mon petit-fils. Occupe-toi de la maîtresse chérie. Ok, très bien. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'elle ne veut pas d'Amanda dans sa classe. Je le sais. Je suis désolée, maîtresse. Ne t'en fais pas, Amanda. C'est pas ta faute, c'est tes parents. Bref, on se voit demain à l'école. Et ne t'inquiète pas, je te donnerai des cours en plus. Tu vas participer et gagner à des concours. C'est vrai, d'accord. Je viens demain du coup, en classe. Oui, et tu peux venir chez moi aussi. Je vais te rendre la meilleure élève de Brookhaven. Et je sais que tu en es capable. Bon, vas-y, va lire un livre et dormir ensuite. On se voit demain. Ok, très bien maîtresse. Bonne nuit. Bonne nuit toi aussi Amanda. À demain. À demain. Waouh, elle est trop gentille. Je comprends pas. Moi, je comprends. Je sais pourquoi elle est venue. Parce que je crois que Amanda fait des bêtises. Et elle oublie des choses. Oui, moi aussi je crois la même chose. Elle a peut-être oublié sa table de multiplication. Je pense la même chose. C'est à cause d'elle qu'on l'oublie, n'est-ce pas? Bien sûr, à force on va l'appeler la fille oubliée. Trop cool, j'adore ce livre. Bon, je crois que je vais dormir. Demain une longue journée, matin. Il est où papa? D'habitude il est à l'heure. Ne me dis pas qu'il m'a oublié. Hey, Amanda! Hein? C'est la maîtresse. Amanda, qu'est-ce que tu fais ici? C'est... maîtresse... mon père. Il est pas venu. Je crois qu'il t'a oublié. Viens. Viens chez moi. En même temps, on avait des cours à prendre, non? Vous êtes sûre? Je vais pas vous déranger, j'espère. Mais non, Amanda. Tu sais, j'adore faire étudier. C'est aussi ma passion. C'est vrai. Du coup, allons-y alors. Allez, viens, monte dans la voiture. Oui, j'arrive. Allez hop, c'est parti. Et voilà ma maison. Allez, rentre vite. Merci, c'est beau chez vous. Oui, mais j'habite toute seule, dans cette grande maison. C'est vrai, ça peut être ennuyeux. Bon, je te prépare quelque chose à manger et ensuite, on se lance dans les devoirs. Oui. Bien sûr, mademoiselle Émilie. Allez, c'est parti, assieds-toi. Elle est trop sympa. Ensuite, on va travailler. J'ai même pas envie de partir d'ici. Je me sens bien ici. En plus, elle est talentueuse. Elle cuisine aussi. Et voilà, regarde. Un gâteau d'anniversaire pour toi. C'est bientôt ton anniversaire en plus. Oui, mais je pense que mes parents l'ont oublié. Ils oublient beaucoup de choses à propos de moi. Mais tandis que Léo, lui... C'est qui Léo? C'est mon petit frère. Mes parents ont toujours aimé avoir un garçon. Moi, je suis leur fille oubliée. Mais non, dis pas ça. Tout va bien se passer. Allez, mange ce gâteau. Alors, c'est ici, je crois. La maison de la maîtresse. Amanda! Amanda, t'es là? Vite, il faut que je sonne la porte. J'arrive. Bonjour, je suis le père d'Amanda. Elle est avec vous? Oui, elle est avec moi. Venez. D'accord, merci. Amanda, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, on y va, on doit changer de pays. Quoi, papa? Changer de pays? Mais pourquoi? Il faut juste quitter cette ville, c'est trop ennuyeux ici. Elle est pas faite pour nous. Ah bon? Mais moi je me sens bien ici. C'est vrai, elle est pas si mal. Je sais pas, pour nous non. On n'est pas des gens ennuyeux. Nous on aime faire la fête. Et bien manger. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes une prof. Comment ça? Rien du tout. Allez, fais vite Amanda. Tu vas pas rester ici? Hein? Rester ici? Papa. Je vais décider de rester. Avec ma maîtresse. Quoi? Avec ta maîtresse? Oui. Si ça dérange pas, mademoiselle Émilie.
Non, pourquoi ça me dérangerait? S'il te plaît, papa, dis oui. Je veux rester avec Mademoiselle Émilie. C'est la meilleure des profs. Moi, ça me dérange pas, mais il faudrait peut-être demander à ta mère. Et de toute façon, on n'a pas les papiers. Papiers d'adoption? T'inquiète, j'en ai dans la voiture. J'arrive. Quoi? Comment ça, elle est dans la voiture? Voilà, ça y est. J'ai aussi un crayon. Regarde, tiens, papa. Je vais demander à ta mère. Allô? Oui. En fait, chérie, c'est Amanda. Elle veut être adoptée par sa prof, Mademoiselle Émilie. Oui. Je fais quoi alors? Je signe sur les papiers? Bah oui. Si c'est ça qu'elle veut. Mais fais vite. Il faut partir d'ici. Je galère ici. Très bien. Ok. Ta mère a dit que c'est bon. Cool. Allez, je signe vite sur les papiers. Hop. Trop cool. C'est bon. Merci beaucoup, papa. Tu embrasses maman. Bon, bah, j'ai une fille maintenant. Oui, j'espère que ça vous dérange pas. Bien sûr que non. C'est trop mignon tout ça, mais je dois partir. Allez, bisous, Amanda. Vite, 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 vite. Elle m'attend dans l'arrière-bord. Il faut pas que je sois en retard. Waouh, trop bien. Enfin, je vais vivre pour toujours avec toi, Émilie. Moi aussi, je suis trop contente. J'ai toujours rêvé d'adopter une fille. Alors une fille comme toi, très intelligente, c'est le meilleur jour de ma vie. Et de moi aussi. Bon ben, on va cuisiner un gâteau? Oh, trop cool! Allons-y, j'adore cuisiner! Alors viens.